Le débat des chefs. Nous voyons ici les chefs des deux partis qui font leur entrée, et ce, entourés de leurs croches collaborateurs. Ils se dirigent immédiatement à la salle de maquillage, car on sait à quel point l'image est importante. Monsieur Plantin, chef du parti Banane, a décidé d'opter pour un look intello à lunettes, afin de s'attirer les votes des myopes et des presbytes. De son côté, Madame Beurde, du parti Peanut, y va d'un maquillage délicat pour tenter d'obtenir l'appui des clowns, des artistes et autres assistés sociaux. Au lieu de te mettre quelque chose dans la face, mets-toi quelque chose dans la tête. De toute façon, toi, tes lunettes sont aussi vraies que tes promesses électorales. Veux-tu qu'on parle de ton chalet dans le parc national? T'es jaloux parce que je suis plus populaire que toi des sondages? On le sait comment tu gagnes tes votes, toi, un à la fois. Aïe, 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 mon écœurant. Madame, mesdames et messieurs, voici maintenant le débat des chefs. Stand by la question. La première question portera sur l'environnement. Quelles mesures concrètes voulez-vous instaurer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre? La parole est à Madame Bird. Nous, du Parti Peanut, préconisons l'utilisation des patins à roulettes et de la brouette pour remplacer la voiture. C'est très pratique pour transporter la marchandise et de plus, nos brouettes sont faites de matériaux recyclés. Nous, du Parti Banane, non seulement on recycle, mais on tricycle. Le Parti Peanut semble avoir oublié le covoiturage. Faisant pas ma femme, mais moi je vais voter Peanut, ça déniaise. Ouais, ben tu fais bien ce que tu veux. Voyons, mon gros. T'as dit que c'est les bananes qui vont rentrer, moi. Les bananes, Roger. Lâche-moi, banane. Mon père va voter Peanut, m'a voté Peanut, puis tout le monde va voter Peanut. Toi, gros épais, mets pas ta banane dans l'urne. Écoute-moi bien, là, j'ai dit banane. Absolument, ah, ben non, c'est non. Les Peanut qui doivent remporter le scrutin. T'exprimeras ton vote quand ça sera le temps du vote. Face de peanuts! Mange donc chier! Le 14 octobre, c'est votre droit de faire entendre votre voix.